Et salut à toutes et à tous, c'est Chasseur de Serpents et Tarario. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une rivière très belle qui est la rivière Ardèche. Donc aujourd'hui, on va essayer de trouver des couleuvres vipérines. Apparemment, il n'y a pas beaucoup de couleuvres à collier, c'est surtout des couleuvres vipérines. Donc il y a pas mal de gros rochers. Donc je vais essayer d'un petit peu tous les soulever. Et j'espère voir des reptiles. J'ai aussi regardé une petite pancarte, il disait qu'il y avait des cistudes, donc ça serait cool de pouvoir en voir une. Et donc c'est tout ce que j'avais à dire, et on se retrouve donc quand j'ai un reptile. Alors regardez là, il y a une petite couleuvre vipérine. Donc j'ai soulevé ce gros caillou et elle était à moitié en dessous. Et je l'ai vu partir sur celui-là qui était juste à côté. Donc elle a vachement peur. Ça fait au moins 2-3 minutes que je prends des photos. Elle n'a pas encore bougé la pauvre. Elle va vraiment avoir peur. On m'a surpris là, elle est vite partie de l'autre côté. Je faisais face avec mes pieds de ce coup, elle a fait une accélération du turfu. Donc là, on va voir si elle est tout. Ouais, voilà, regardez. Bon, on va pas l'embêter, on va remettre ça. Donc c'est super beau, il y a plein de gros cailloux. Tiens, celui-là, là, je l'aime bien, là, je vais le soulever. Donc c'est une toute petite rivière et à côté, il y a la grosse rivière. Donc on va continuer et j'espère que je vais en trouver d'autres. Oh, regardez, il y a une petite couleuvre vipérine là. Bon, elle est partie. Bon, super, une couleuvre vipérine, donc c'était sur le gros caillou, j'avais une bonne prédiction. Ici c'est un bon coin, il y a pas mal de grenouilles, donc je pense qu'elles se nourrissent de ça. Donc on va continuer à soulever des cailloux par ici et j'espère que je vais en avoir une troisième, ça serait cool. Regardez, il y a une couleuvre vipérine. Attendez. Ah c'est bon, je la vois encore. Heureusement que je l'ai vue. Hein. J'ai eu l'œil. Elle est en train de faire sa mue, je ne reviens pas. Ah, attendez, vous voyez pas bien. Je ne vais pas la déranger puisqu'elle est en train de faire sa mue. Mais elle était sur le rocher ici en train de prendre le soleil. Et là, elle est là. Je vais un peu la voir là. Regardez. C'est pas mal. Elle est en train de faire sa mule là, la pauvre là. Elle était en rond. Et là, je l'ai dérangée. J'ai un petit peu bougé. Je vais l'avoir bien vu. Donc, super. Encore le même coin de rivière. Elle part sous un petit rocher. Non, elle continue pas. Hop. Elle doit aller sous l'eau. Ah, désolé pour le bruit, là, c'est les canaux qui passent. Donc regardez, là, il y a la rivière. Et là, il y a un petit endroit comme ça. Elle était ici en train de se chauffer ou de faire sa mue. Ah, j'ai presque envie de la prendre pour la mettre sur un rocher, là. Non, c'est bon, elle va dans l'eau. On va pas la déranger. Alors là, j'ai regardé tout ce coin-là, mais il n'y a rien d'autre. Enfin, j'ai pas réussi à les trouver, ce qui restait en tout cas. Donc là, je vais continuer sur la petite rivière. En essayant, et après on va reprendre donc la grande rivière.
une belle couleuvre à collier. Une super belle à collier. Elle était en rond ici quand j'ai soulevé ce caillou-là. Donc là, elle s'est un petit peu dépliée. Elle a vraiment peur. Là, elle essaye de partir. Elle bloque un peu. Ah, c'est bon, on l'a trouvé. Donc, une super belle couleuvre à collier. Donc, j'espère que je vais en trouver. Là, c'était dans un petit tas de pierres. Ici, il y en a pas mal, donc j'espère que je vais en trouver d'autres. Alors voilà, il y avait une couleuvre vipérine sous ce caillou, sous ce gros caillou. Donc je vais vous la montrer un petit peu mieux. What? Attends, elle est passée où? Ah, elle est sous ça. Non. Putain, carrément, elle a disparu. Wow! Ah, je sais vraiment pas où elle est passée. Merde. Comment elle a fait? Bon, je sais vraiment pas où elle est. Putain. On est allé vite, hein. Bon, je sais pas. Mais en tout cas, vous l'avez vu, j'ai pris pas mal de photos. Peut-être qu'elle est passée par là. Non. Non, non, elle est partie. Non, elle est complètement partie. Je sais vraiment pas où. Mais en tout cas, vous l'avez vu, je vous passerai les photos. Comme ça, vous verrez bien que c'était une belle couleuvre vipérine. Et salut à toutes et à tous. C'est Chasseurs de Serpents et Terrario. Et aujourd'hui, on se retrouve donc pour le quatrième herping en Ardèche. Donc aujourd'hui, malheureusement, tout le matin et tout le début d'après-midi, il a fait que pleuvoir et des grosses pluies, donc j'ai pas pu aller chercher les serpents. Donc et ensuite, il a fait plein d'averses, donc j'y suis allé une fois entre deux averses et ça a pas marché, sûrement que le serpent il s'est caché un peu trop. Donc j'ai strictement rien vu. Donc je peux chercher les serpents donc que maintenant, en fin de journée à 18h. Donc sûrement de 18 à 19, 20h. Donc j'espère que je vais en trouver. Je vous promets rien, mais je vais faire mon possible pour essayer de observer un serpent. Et on se retrouve donc quand j'en ai un. À toutes. Je suis trop content. Putain, elle était sous un... Waouh, elle est trop belle. Je vais la voir là. Mais comme vous pouvez voir, c'est une belle couleuvre à collier. Donc j'ai eu le temps de prendre quelques photos. Elle était sous un rocher à moitié dans l'eau. Donc quand j'ai soulevé, j'ai essayé de prendre une photo, mais elle est toute sous l'eau. On voit pas le serpent, elle est partie dans l'eau et là j'ai commencé à filmer. Donc je pense que c'est mon premier et dernier serpent de la journée parce que tout simplement là je vais devoir rentrer. Donc j'ai pas eu le temps de chercher beaucoup de serpents, mais c'est quand même super parce que en peu de temps j'ai pu voir quand même une très grosse couleuvre à collier. C'est pas tout le temps qu'on voit des grosses comme ça, donc je suis assez content et j'espère que ça vous aura plu. Voilà. Salut, alors là il y a une petite couleuvre à collier, une très belle couleuvre à collier. Donc là c'est en fin de journée, je l'ai trouvé. Il y avait une genre de plaque en morceaux, donc j'ai soulevé et il y a une belle couleuvre à collier qui était juste ici. Donc je vais essayer de soulever sans lui faire mal pour la retrouver. Donc, alors où elle est? Là, je l'ai vu. Regardez. Une super belle couleuvre à collier. Donc voilà, super. Une très belle petite couleuvre à collier. Dans cette très belle rivière.